Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite présentation de vidéo de gameplay sur Total War Warhammer 2 avec une bataille des hommes lézards qui va les voir opposer aux Skaven, donc les hommes rats, dans les terres de l'Istrie. Cette vidéo, elle n'est pas officiellement en lien avec Sega, hein, je n'ai aucun lien avec Sega, hein, je vous le rassure. Et je vais essayer de vous commenter un petit peu le gameplay. Et aussi de vous parler des dernières actualités qui sont apparues il y a environ, je dirais, une ou deux journées environ. Et je vous annonce aussi qu'un collègue de Planet Total Wars, The Rage Ludus, que vous connaissez certainement, a fait une vidéo sur le gameplay. Donc moi, je vais essayer de combiner les deux et de faire un peu la synthèse de toutes ces informations. Et vous expliquer aussi mes théories pour les futurs free LC du jeu. Je vais lancer la vidéo. Hello, and welcome to our Total War Warhammer 2 Let's Play, this time focusing on the ancient lizardmen. Now, of course, a battle is nothing without context, but if you do want to jump straight to the action, you can click the link in the description to take you straight to the battle. For Donc là, on se those who retrouve do want sur le champ de the bataille. context, today we are playing a choke point battle. On voit qu'il y a deux passages à défendre, à tenir, pardon. Une route là avec de la terre et un pont un peu plus Available on loin. both custom battles and on the main Donc on campaign. est en Lustrie sur les thèmes des hommes lézards, Defending the évidemment. Amazon plain in the eastern coast of Lustria against the Skaven hordes. Voilà, Ever Horde since the arrival Skaven. of the Ratsborn in Lustria, the Lizardmen have vowed to wipe this race. Et là, on voit déjà les Skaven qui arrivent. Donc les hordes sont assez They've nombreuses, hein, des spread like guerriers, a des plague across esclaves, Lustria. des This prêtres Skaven et warlord des monstres comme ce Raogre, ou encore une has batterie de clashed the magnifiques canons Lizardmen à in this Malfoud, hein, Amazon qui peut river faire crossing. très mal. Upon a Ça, c'est Rat certainement le foe breaker, général he is Skaven even more qui est arrogant sur than sa usual. monture. This warlord needs to prove his worth C'est un and get seigneur de himself guerre, out hein, of the rat ou un race. ingénieur. As we can see, L'abomination he de has brought Malphaus que some vous of his connaissez most tous, hein, qui est repulsive warriors une with him, monstruosité et including the moche, Hellpit et qui a Abomination plein de têtes and de the Harbon Horde Lightning Prime. Cannon, which will both cause us lots of trouble. Ces In the canons end, Malphout there are font très also mal. Et plague là, c'est center bears, des a moines de la garden of peste que vous flails voyez filled ici. with poisonous warpstone insects, Et which will cause a certainement, ils ont des debuff globes time, empoisonnés, donc des grenades leaving our empoisonnées. defenses Lord Ah Masdamundi, bah. Notre ami l'homme lézard, Masmamundi, le crapaud powerful Slan, spell hein, magicien casting, the qui croit oldest of qu'il dort ruling souvent, mais en Slaver, fait, and his bah, il legions médite. from Hexawato, the city of the Ces sun. guerres autour de But lui. to highlight Et là, c'est une two bataille, vous key voyez, donc, comme units je le disais, for the de Lizardmen défense de in this guet. battle. First, we have the Chameleon Skinks, Donc, who on you a les get. Camelon Skinks, hein, qui sont des unités de tir, qui peuvent se camoufler un peu partout. Ils ont une bonne attaque en mêlée empoisonnée et des dégâts de tir empoisonnés. La portée de 80 mètres, on va dire, entre guillemets, ou 80 pouces, je sais pas comment ils le disent. Ils ont une bonne défense, beaucoup de munitions, 26, ce qui est pas mal. Armure à 30, 90 par régiment, donc le Skink, à savoir, dans la hiérarchie, nous avons Skink, Saurus, les arrows dessus. Croxigore, beaucoup plus gros, et évidemment, il y a encore des supérieurs, hein, comme les Slan, mais bon, ça, c'est au niveau hiérarchique. Guessed it, are very good at hiding on the battlefield. They have the ability to move hidden on any Ils terrain, peuvent se also marcher, se fire camoufler sur tous les poisonous terrains, de ce darts que while dit notre moving, ami, donc so ça va être pas very mal. powerful ranged En même temps, units. c'est des Then camélions, ça we se have camoufle the pas mal. Temple Guard. Voilà. Ça, c'est de l'unité intéressante. Les gardes du temple, donc des Saurus d'élite, hein, avec bouclier et hallebarde apparemment. Certainement anti-large, hein, vu l'arme, ou perce armure. 85 d'armure. Faut aller les chercher, quoi. 90 de commandement, donc c'est l'élite de l'élite. 32 d'attaque en mêlée. Ouais, et perce armure, et puissance des armes, hein, c'est logique. Et un body de char à 14, c'est normal. Extremely strong units will be vital Sans in the unité, battle, mais with bon, some après, à of mon avis, Lizardmen's moi, comme j'aurai oldest warriors with the les tailles en highest armor grange, ça sera available on moins, the je pense. Lizardmen infantry roster. The last unit I'm going to feature are Les Croxigors, le démolisseur, hein, ce sont les béliers, hein, des hommes lézards, on va dire. 100 d'armure, très costaud. 70 de commandement, 46 de vitesse. 26 d'attaque en mêlée, 26 de défense, bon, c'est un peu faible. Mais ils compensent par leur puissance des armes à 84 et perce armure. Et un petit bonus à 22. Certainement des And the capacités passives. Donc moi, Croxigors. ils seront à These 12 unités sur au mighty lieu de beasts of 16 pure en muscle taille smash grande. through most units and are certainly going to send a few Skaven flying in this battle. They also cause fear, which will Et à help côté, reduce the on a un leadership gros of an already carnosaure, vous le voyez. weak-minded Skaven horde. On va faire du So let's see Jurassic how Park, I've je crois. decided to defend this oncoming attack. On the Donc là, il va left, we lancer la have our bataille. Hein, Skink là, cohort, a Carnosaur, Croxigors and Chameleon Donc il a des Skinks. corps de And skinks, then des behind them, caméléons et some tout. Cold One Riders Et led des by a Saurus cavaliers sur Scalder, sang-froid hidden saurus away in dans the les bois avec forest, un ready to héros. flank. On the right side, the bulk of any good Lizardmen army, some Saurus warriors with Donc des shields. guerriers saurus de base Behind them, ici. some Skink Des, cohort with déjà javelins, des and corps de then skinks, Lord j'avoue. Masdamundi being Masmamundi en protected by his soutien. Temple Guard. Ça va être Then way costaud. over to the right, using Vanguard deployment, we are being supported by two units of Pterodon riders. Et des They are pteranodons hidden in the cachés forest and should be en able to réserve find a avec sneak déjà vu. attack on the crosser. Now,
The Skaven army are making their approach. Donc vous voyez, les Skaven approchent, hein, ils sont motivés. First things first, I'm going to take a little gamble and send one unit of Cold One Riders to see if I can scout. Une unité de 100 Russes sur 100 francs, on éclaire. Décale ces unités. Est-ce que c'était une bonne idée? J'en sais rien. Ah, il ramène aussi Croxigor. Eh ben, les canons de Malfoy commencent à faire feu sur l'armée de Mazmamundi. Pour le moment, il n'y a pas eu trop de pertes, à part une dizaine de guerriers, je crois. Mais est-ce que c'était la bonne idée de charger, sacrifier une unité? Je trouve ça dommage, mais bon, après, il va nous monter. Oula, là, le canon à malfoudre font très très mal. Et on voit que les Skaven commencent à se révéler, donc apparemment, ils ont peut-être une habileté de camouflage assez importante. Allez, après que je te pilonne, là, le canon a fait une deuxième. Et là, on voit les premières salves. Ah bah, quelques Skaven se sont fait envoler, ils n'ont pas du trop aimé. Par contre, je sais pas comment il va faire, il tente d'aller choper l'artillerie, je crois, c'est pour ça. Et là, sur le pont, il y a du monde aussi. Mazmamundi va tenter un sort, je sais pas ce que c'est, peut-être un bombardement. Ou les affaiblis, je sais pas. Ah, il va lancer un sort de bannissement, donc très pratique contre les forces du chaos. Ouais, ils ont déjà pris cher, on dirait. This is a vortex spell. Ah, il lance un filet comme le filet de sorcier de lumière de l'Empire, ça c'est bien. The army on the left flank is now approaching, and it's time to take advantage. Je sais pas s'il a réussi à faire taire les canons, j'espère pour lui. Et là on voit que les hommes, les skinks sur Pternus se déplacent. Hein. Ils lâchent des petites bombes, comme les gens comptent Pternus, sur la formation. Certainement un bonus anti-infanterie. The Pterodons have dropped their rocks now. Excusez-moi. They can help support this left flank. Et là on voit déjà que les unités Skaven craquent, donc à mon avis le moral des Skaven sera très très faible. Et là on voit une charge des rats ogres et des guerriers Skaven, voire des vermines de choc, je sais pas, et des points sur le flanc droit. Donc, là c'est une charge massive, hein, clairement. Et on a le chef ennemi derrière. Par contre là ces Pteranodons sont un petit peu trop isolés à mon goût, et je crois qu'ils vont prendre assez cher face aux tireurs Skaven, là, les lanceurs de grenades. Amélioration des guerriers Saurus là avec un sort. Là, on concentre sa puissance de feu ici. Et là, le petit Rex et les Croxis sont en train de retenir le flanc droit. Mais bon, le Carnot tout seul, je ne sais pas ce qu'il pourra faire contre toute une armée. Il est très fort, mais de là à anéantir toute une armée tout seul, ça me paraît compliqué. Là, on voit que le joueur Omnesa est en train de saturer deux tirs. Désolé pour ça. Deux tirs à l'ennemi. Donc là, c'est pareil pour les Skaven avec leur fondeur. Certainement, fond empoisonné. Le petit Rex qui fout le bordel dans les rangs Skaven. Vous le voyez. Bah là, il est en train de pousser quand même. Hein. Par contre, son T-Rex, il est devenu fou, furieux, frénétique, je sais pas quoi. Pareil pour certains de ses Saurus. Donc là, ouais. Là, le flanc droit, à mon avis, ça va être assez compliqué pour lui. Hein. À gauche, il se débrouille plutôt pas mal avec le soutien de Mazmamundi. Mais malheureusement, le canon à Malfoot sont encore en vie. Je crois pas qu'ils étaient détruits, mais là, ah, il veut tenter de passer ce flanc. Il va tenter un bombardement. Alors, ça fait quoi? Oh, une comète! Ah bah là, la comète, ça a pas dû leur faire plaisir. Ça doit les affaiblir aussi. The left flank is not faring as well, and have retreated back across the bridge. That hell pit abomination is causing all kinds of trouble. Now it's time for Mazmamundi to bring the fight to the other side. Ses gardes du temple vont revenir pour soutenir, voire se battre. To make sure we don't get flanked. Bon, il reste encore des unités en réserve, hein, vous le savez, hein, les sang-froid est général, donc ça peut servir. Donc c'est risqué, hein, mais bon. Donc là, le flanc droit a complètement craqué, hein, sous la pression Skaven. Alors qu'à gauche, les hommes l'ont emporté, ont tenu l'adversaire. Donc là, il y a peut-être un coup à faire pour eux. Par contre, là, ces pauvres Pteranodons sont arrosés par les lances, les trucs, le Skaven, là, qui lance des flammes ou je sais plus quoi. Si jamais vous retrouvez le nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là, le héros Saurus sur sang froid avec ses cavaliers Saurus vont aller charger la mêlée adverse. Les Croxis, je sais pas combien ils sont encore, ils doivent être quoi. Je sais même pas combien ils sont encore. 15, ils sont encore 15 sur 16 quand même. Donc là, la cavalerie va contenir l'adversaire en attendant. Pour essayer que les Saurus finissent l'adversaire sur le flanc droit. Donc on voit qu'on a déjà les rats. Une expérimentation, c'est pas le fruit sec que je pensais. Je pense que le DLC, une expérimentation, ce sera une autre unité, mais je vous en parlerai après cette bataille. Et je vous montrerai peut-être des images qui confortent ma théorie.
Et un nouveau bannissement sur le flanc droit. Hop. S'il arrive à rééquilibrer la donne ici, ça serait parfait. My Croxigors are rallying, but they've gone out of control. One of the Lizardmen army traits is that some units can go on a rampage. This means that I can't control them and they will just attack the nearest enemy. Les Croxigors qui reviennent en mêlée ici. Alors que le flanc droit, bah, ça se passe bien. Damage into that front line, but it's time for them to try a flanking maneuver. I need to deal with those slingers at the back of their army. Now, I've decided to finally use the ruination of cities behind their flank and hopefully the old ones will grace us with some good luck and this ability will cause a lot of damage. Not bad. Two good hits. Ce sort est très puissant, je ne sais pas ce que c'était, mais il fait très mal. Need to make sure that all of the units are getting involved in Et là, vous voyez que le gros des Skaven est en train de craquer. Numbers, and I need to kill as many of them as possible. Mais en même temps, les Skaven, il faut les tuer jusqu'au dernier, donc c'est logique. Les Skaven sont très redoutables. On a eu des vermines de choc albardiers. Bon, apparemment, les souris peuvent se rallier souvent, ça c'est bien. Et là, on voit que certains petits terminaux qui sont enfuis se sont ralliés derrière les lignes ennemies, ce qui est une bonne chose. Ah, qu'est-ce que c'est qui revient? Apparemment, il y a une unité de souris qui, ou de skin qui est terrifiée. Voilà. This also clears the bridge for my Cold One riders who have finally got away from the front line. Bon bah là vous voyez ça commence à partir en déroute mais... Encore une comète pour tenter de mettre un coup moral avec Masmamundi sur l'adversaire. Kind of bon, son abomination de Malphos fait l'abomination de Malphos quand même fait très mal. Allez hop. Une petite comète pour essayer de calmer tout ce petit monde. Bon bah il commence à passer sur le flanc gauche, hein, il a réussi son opération. Apparemment il a plus de... Lydia n'aurait plus de servant et enverrait ses artilleurs au corps à corps. The Hellpit Abomination is trying to run away, if you can call that running. Ah il est quasiment mortel, donc si Masmamundi pouvait s'en occuper ou quelqu'un d'autre. Allez, un petit bout sur les Skaven, sur les Croxigors, pardon. Alors là, les cavaliers sur sang froid dans le dos, ça va faire très mal aux Skaven, on va pas le voir venir, ça. Allez. Et ça vole, les Skaven, hein, ça, contre des Saurus et tout, ça fait pas le poids, hein, dans le dos. That flank has caused a morale drop, and some of them are beginning to rout. Mais certains commencent à partir en déroute, ça, tu m'étonnes. One final comment should do the trick here. As we can see, allez, l'abomination de Malphos a été tuée par T-Rex, beau travail à lui. Par contre, sur le Carnot, j'ai peur qu'il le perde. While casting that though, the Warlord has decided to make a move on Masdamundi. He's obviously had enough of his spells. Ah ouais. Masdamundi s'est un peu emmerdé là, il a pris un peu de... il a pris un peu cher quand même. I'd best send in my Scar veteran to help. He is much better suited to this sort of fight. Vraiment, c'était pas plus coup de tête, parce que là, je pense qu'il aurait fait qu'une bouchée. But he did defeat the Hellpit, so I'll allow it. And it turns out I've actually lost control of quite a few of my units. They've gone on rampages, but it doesn't matter now, as the battle is on. Il est en train de gagner progressivement le combat, donc là, vous voyez, c'est gagné. Hein. C'est un carnage. Hein. Croxigors et Saurus, c'est mort et destruction dans les rangs Skaven. Et c'est une victoire de notre joueur qui nous a montré une belle bataille. We've defeated this warlord, who managed to survive with a whisker of health, and his horde is scurrying back to the hole they once came from. Donc voilà. Thank you very much for watching this Total War Warhammer 2 Let's Play, and of course, we'll see you next time. Donc voilà, la fuite des Skaven qui est annoncée. Donc là, pour recommander Warhammer et tout, hein, c'est un petit coup de pub. Hein. Je vais mettre en pause ici. Alors, maintenant, on va passer à un autre sujet. Donc, les free DLC sur Warhammer 2 qui sont déjà annoncés. Donc, on a déjà 5 d'annoncés, et on voit clairement qu'il y en aura, comme le premier, au mon avis, 5 ou 10. Donc déjà on a une première campagne qui s'appelle les Empires Mortels, donc en gros ça va être le premier patch qui va combiner les campagnes de Warhammer 1 et 2, donc ça ne sera plus le Vieux Monde et l'œil du Vortex, donc qui est que celle du Warhammer 2. Donc le Vieux Monde c'est sur Warhammer 1 comme vous le savez, et l'œil du Vortex sur Warhammer 2. La campagne des Empires Mortels va combiner les deux campagnes, donc 1 et 2, ce qui fait qu'il y aura plus de colonies, plus de territoires à conquérir. Ensuite, on aura Warhammer 3, la campagne qu'on ne connaît pas encore, et une très grande campagne qui va inclure les 3 opus. Donc, ça fait 5 campagnes différentes, ce qui est plutôt pas mal pour 3 jeux. On a une petite stat ici, donc avec la campagne des empires mortels seulement. Nous avons 35 lords légendaires qui peuvent se déployer
avec sur 25 positions de départ différentes, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit comparatif, nous. Avec le vieux monde, on avait 142 colonies. On a 66 factions qui démarrent, donc, et Empire Mortel qui va combiner les deux, donc 295 colonies, ce qui est plutôt magnifique. Et 117 factions en tout, donc 66 là, et donc on a 50 factions ici en plus et 150 territoires en plus. Donc grosso modo. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on voit qu'on a trois lords différents. Donc, un lord légendaire Skaven, ça se voit au niveau de des infrastructures souterraines. Ça peut pas être des nains, hein, on est d'accord. Vu ici, ça sera un seigneur légendaire haut elf. Et vu la pyramide, un seigneur légendaire homme lézard. Et une expérience, donc moi je pense que ce sera plutôt une unité Skaven. Parce que les Skaven et les expérimentations, ça les connaît. Alors, par quoi je vais commencer donc? J'essaie de vous commencer par le Lord légendaire Skaven. J'essaie de vous trouver des images. J'ai retrouvé les PDF Homme Lézard, O-Elf et Skaven. Donc je ne sais pas si j'aurai des bonnes images à vous montrer par contre. Qu'est-ce que je vais faire? Alors attendez, je vais essayer de faire un truc tout con. Il est où le menu? Enfin. Ouais. Bon, on va déjà foncer là. Page 66, c'est où? Alors, on y approche. Alors, pour moi, il y a plus deux possibilités. Soit ils mettent Tankol, le prophète gris, pour avoir un nouveau général qui démarre, pourquoi pas. Avec son monture Bonne Reaper, qui est un rat ogre génétiquement modifié, et aussi avec des trucs mécaniques en plus dans mes souvenirs, donc de la malpierre et tout. Soit Trot the Unclean, donc en gros ce serait un gars du clan Mulder, je crois, celui qui est spécialisé dans les bêtes. Ça pourrait permettre un troisième clan de jouer, pourquoi pas. Je connais pas trop les Skaven, hein, je le dis honnêtement. Mais bon, ça pour moi, ça serait plutôt logique que ce soit l'un de ces deux-là. Je ne vois pas qui d'autre pour le moment. Si jamais vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour ceux qui connaissent le lore mieux que moi. Donc ouais, c'est le clan Mulder, hein, c'est bien confirmé en anglais. Ensuite, une expérimentation. Pour moi, ça sera une unité Skaven. Déjà, c'est les seuls qui tentent des trucs assez chelous. Et j'ai essayé de fouiller un peu le roster Skaven. J'ai pensé au Jezai. Donc, qu'est-ce qu'un Jezai Skaven? Je vais vous montrer quelques images sur YouTube, sur Google. Voici des Jezai Skaven. J'essaie de vous les mettre en plein écran. Ouais bah, il a dit d'aller me faire foutre, ok. Donc voici des Jezai Skaven. Donc, en gros, vous avez deux Skaven par pour un soldat. Donc le premier Skaven, qui doit être certainement un petit rat ou un esclave, pose le bouclier. Et le deuxième, c'est un Skaven de base avec un fusil. Donc, soit un fusil de lunettes pour les chefs d'unité, soit des fusils de base. Donc ce sont des arquebusiers à malpierre, je crois. Donc, en gros, ça va faire très mal, je pense. Je pense que ce sera une unité qui va être ajoutée, un peu comme les chevaliers de sang avec les contes vampires dans le premier opus. Pour moi, c'est la seule unité qui me paraît le plus plausible. En plus, ça va être perf armure. Donc, comme ils disent que les Skaven sont une parodie des impériaux, pour moi, la seule unité qui manque, c'est ça. Des arquebuses. Enfin, des fusils, vous m'avez compris. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça va faire très mal, perce armure, certainement peut-être une bonne protection contre les tirs du fait qu'il y a un petit bouclier de bois et une meilleure stabilité au tir. Ensuite, le prochain seigneur légendaire, on va passer chez les hauts elfes. Donc on va retourner sur les PDF. Donc là j'ai plusieurs. Je vois 2-3 choix potentiels. Alors. J'essaie de descendre le plus vite possible. Alors, là c'est des héros, c'est pas ça donc. Alors, je vais vous monter un peu dans l'ordre. Donc déjà on a Tyrion et Teclis qui sont jouables de base, les frères jumeaux, les mages et le guerrier. Alors le premier que je verrai bien, Eltharion le Sinistre, appelé aussi le gardien de Thor Ivred. Donc c'est un grand seigneur elfique qui a lancé un assaut contre Nagaron, donc les elfes noirs, donc, et qui a gagné quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il pourrait avoir son griffon Eldorage. Il a bien massacré des peaux, il a massacré des peaux vertes, qui est plutôt pas mal. Il aura son griffon, comme je vous ai dit. Il aura plusieurs plusieurs objets magiques, entre guillemets. Le croc d'acier, c'est son épée spéciale, qui est très puissante. Son home, le home d'ivresse. Pas l'ivresse, l'alcool, hein, mais c'est le lieu. Et le talisman de Wave, qui est un talisman qui permet une connaissance magique, peut-être, dans le jeu de figurines, mais
Peut-être qu'il va donner une distance, une connaissance, enfin une résistance à la magie accrue, pardon. Alitanar, le roi fantôme, donc lui, apparemment, c'est des guerriers de l'ombre, qui s'occupent des guerriers, donc des unités assez discrètes et qui est assez fort. Il a quoi comme artefact? Il a trois objets, la pierre de minuit, la couronne des ombres, donc ça donnerait peut-être des boosts, et un arc de lune qui a l'air assez puissant. Surtout contre les elfes noirs, mais bon, lui, je le vois pas, sincèrement, ça me paraîtrait un peu gros. Mais pour moi, le dernier choix qui me semblerait le plus logique, ça serait Alariel la Radieuse, qui est appelée la reine éternelle du Tlan. Pourquoi? D'abord, c'est une femme, on n'en a pas encore. Pourquoi pas me paraître une grande générale elfe? En plus, c'est une grande magicienne, hein, c'est une reine. C'est la 11e reine éternelle, la reine depuis l'époque d'Aenarion, qui est le fondateur des. Enfin, qui est dans le mes souvenirs le fondateur. La dynastie du Tluan, après je dis peut-être des Henry, je sais pas. C'est une grande magicienne, donc c'est une infanterie. Elle connaît plusieurs domaines de magie, à savoir le domaine de la vie que l'on connaît, lumineux, et la haute magie. Donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Elle a pas mal d'objets magiques, une pierre protectrice. Donc ça peut lui donner un boost de résistance ultime, je pense, peut-être. L'étoile d'Averlon, ça pourrait lui donner un boost très générateur de PV, ça pourrait être pas mal. Et son bâton magique, le bâton d'Averlon, peut-être pour donner un boost pour éviter les fiascos et augmenter les chances de succès au niveau de lancer de sort. Elle possède deux objets reliques magiques, entre guillemets. Donc peut-être des objets qu'on aura dans ses trucs de base ou à débloquer à certains niveaux sans avoir à faire de quête. Un cœur d'Isha qui permet. Alors c'est quoi? C'est un sort qui peut ouvrir la voie entre les mondes, bref, je sais pas ce que ça va donner le corps d'Isha. Et la bannière d'Avernum qui peut donner un boost aux sorciers aux alentours, ça peut être pas mal, qui sait. Après Khoryl et tout, je vois pas ce qu'ils vont foutre là, c'est des héros de base, on entend très peu parler. Et enfin, donc, pour moi, il ne nous reste plus qu'un, le seigneur légendaire Homme Lézard. Donc, pour moi, j'en vois deux. Alors. Où est-ce qu'il est? Faudrait que je retrouve déjà la page, je suis vraiment désolé un petit peu si ça vous. Si ça vous lasse un peu les petits trucs, les petites cherches, n'hésitez pas à le dire, hein, je suis preneur, j'essaie de bien préparer au maximum. Le rat et le serpent, donc ça c'est les conflits entre eux, nanana. Alors ça on est loin. Donc là, il y a tout du lore en anglais. Hein. Alors, on a déjà Masdamundi et Krogar. Ça, on est d'accord. Pour moi, il reste encore deux lords légendaires. Soit c'est Lord Croak, donc je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc, vous allez peut-être pas obligé de me croire, mais c'est ceci. En gros, c'est un Slan momifié. Plus ancien que Lord Masdamundi, qui est de la deuxième génération, car Lord Croak est de la première génération. Donc il fait partie des premiers Slan à être présent en Lustrie et à accomplir le dessein des anciens, pardon. Renommer tout ce qui est chaotique et qui ne mérite pas de vivre, grosso modo. Hop, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'essaie de vous trouver un truc dans son histoire, si je peux. Je crois que c'est aussi considéré comme une relique, mais après, ça je sais pas du tout. Il a un équipement avec le masque doré de mort, donc certainement un truc assez spécial qui va faire peut-être très mal. Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Soit l'autre, ça serait un prêtre, ça sera un commandant skink. Moi je serais plus tenté par ça parce que j'aime bien les sorcières et ça c'est pas le problème. Mais je change un peu, donc Tenaoni. Je vais essayer de vous trouver une image de lui. Et Nao, alors attendez, j'ai peut-être vu son nom. Dropbox, non, voilà. Donc, voici ce skink. C'est un skink, oui, je ne plaisante pas. Donc, l'image, désolé si elle n'est pas grande, j'essaie de vous en trouver une plus grande. J'essaie de vous trouver, alors, non, ça n'a rien à voir. Et pourquoi pas lui? Parce que c'est un commandant de corps à corps, c'est un skink. Il pourrait changer
des Horus, hein. Et c'est, je crois que c'est celui qui commande la Légion Rouge. Je crois que sa crête, ça se voit. Mais j'en sais pas plus sur quelle ville c'est déjà. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur la vidéo. Donc cette vidéo, vous l'aurez certainement. Aujourd'hui, on est jeudi 21, donc vous l'aurez certainement vendredi 22 dans la journée. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Si jamais vous avez des remarques à faire sur la vidéo, n'hésitez pas, je suis preneur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, hein, parce que c'est grâce à vous que j'acquiers en visibilité. Donc j'ai un petit peu, je suis encore un petit peu malade, mais bon, j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous parler au maximum. Salut à toutes et à tous les amis, c'était Kaiser von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour nouvelles aventures les amis. Au revoir. Et je mettrai aussi dans la description la vidéo de Rage pour le gameplay Homme Lézard versus Skaven et la vidéo originelle sur laquelle je me suis appuyé. Ciao les amis.